Eh bien, je vais demander maintenant à un intellectuel ce qu'il pense de vous. Je veux dire à votre ami Pierre Berger. Pierre Berger, vous avez écrit un gros livre pour nous présenter l'homme et l'artiste. Et je voudrais vous poser deux questions. Qui est Bernard Buffet? Question embarrassante. Ah oui, mon cher Parrino, c'est une question très très embarrassante parce que Bernard Buffet, qui est le peintre sur lequel on parle le plus, le peintre français, puisque Picasso est espagnol, le peintre français sur lequel on parle le plus, c'est sûrement celui qui parle le moins. Et cette espèce de gloire qui lui arrive en ce moment, d'accumulation de gloire, j'en aurais très peur si ça arrivait à un autre qu'à lui. Mais comme il vous l'a dit tout à l'heure, ça ne le touche pas. Je crois que même sa peinture, une fois qu'il l'a faite, ne le touche plus non plus. C'est une chose terminée. C'est un être extrêmement modeste, extrêmement réservé, et surtout, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il n'est pas insensible. Ah non, pas du tout, il n'est pas insensible, mais il n'est pas sensible aux mêmes choses, aux choses auxquelles nous sommes ordinairement sensibles. Il dit des choses, par exemple, tu m'excuseras de te contredire, tu as dit que tu ne lisais pas. C'est pas vrai, tu lis beaucoup, mais tu lis surtout des romans d'enfants. Tu n'aimes pas la littérature habituelle parce qu'elle ne t'apporte rien et parce que l'art que tu fais te suffit à toi-même et est une chose trop importante pour que tu puisses la comparer, que tu puisses le comparer à l'art des autres. Et il n'a lu ni Camus, ni Sartre, ni Kafka parce que quand il a tellement travaillé, et il a bien fait de dire ça, et Parino, la question que vous lui avez posée me semble particulièrement juste. Quand il a tellement travaillé 10 heures de suite dans son atelier, comme il le fait presque chaque jour, il n'a pas envie le soir de travailler à nouveau en lisant des écrivains importants ou en écoutant de la musique importante, mais il a envie de se distraire et de se divertir. Il écoute beaucoup de musique. Il écoute de la musique facile parce que ça l'amuse. Et également, il dit qu'il est triste ou on dit qu'il est triste. Ce n'est pas vrai du tout. Il n'est pas triste du tout. Il est au contraire très drôle. Il aime les jeux de mots, surtout les mauvais. Est-ce qu'il prend des exercices physiques, par exemple? Ah non, parce qu'à cette heure-là, il n'est pas des exercices physiques de la radio, c'est cela que vous voulez me dire. Non, mais je l'ai vu, par exemple, faut-il attaquer sur un cheval? Ah oui, mais comme il dit lui-même, c'est pas un cheval, c'est un fauteuil de paralytique. Parce que il a trouvé Un un cheval cheval qui ne court camargué. jamais. Un cheval qui ne court Voilà, jamais. c'est Qui ne ça, peut c'est pas ça. courir, d'ailleurs. Un cheval qui peut pas courir. Il a voulu un cheval qui peut pas courir, alors il est sur Pas son gentil. cheval comme ça, mais rarement, parce qu'il a non plus rarement le temps. Car il travaille beaucoup. Vous C'est avez surtout cela qu'il faut presque dire. répondu, Pierre Berger, à la seconde question que je voulais vous poser, et qui est dans quelle mesure sa peinture intéresse-t-elle Bernard Buffet? Eh bien, je crois qu'elle le trouble beaucoup, car il n'arrête jamais de travailler. Je crois que même quand il est au repos, même quand il n'y pense pas, même quand il n'en parle pas, d'ailleurs il n'en parle jamais, il n'arrête pas de travailler. C'est un problème toujours nouveau. La toile blanche et lui, le phénomène de la création est un problème très important, car il ne croit absolument pas à l'inspiration. Il sait très bien que ce sont des images d'esthètes et que cette fameuse inspiration, ce n'est jamais que des heures accumulées les unes aux autres et passées dans l'atelier. Il sait très bien qu'on n'a pas l'inspiration en une seconde et que le tableau se fait comme ça. Pourquoi peint-il? Parce qu'il a beaucoup de choses à dire et il peint beaucoup pour cela. On lui a reproché sa grande production. On lui a reproché et certains journalistes amis ont même voulu ou la cacher ou la diminuer. Ils ont absolument eu tort. Et si Bernard Buffet essayait de cacher son grande production, il aurait tout à fait tort. Il peint beaucoup parce qu'il a beaucoup à dire. Car un peintre qui ne produirait qu'un seul tableau par an, s'il n'avait rien à dire, il ferait mieux de ne rien peindre. Lui pourrait peindre un tableau par jour. S'il a chaque jour quelque chose de nouveau à dire, il peut peindre son tableau.